Alors, on est le 12 novembre de l'année 2024, je suis au château du Landsberg, très probablement le plus beau château d'Alsace. Il fait un sacré bon là-haut, mais, ça valait le détour. Ce château est vraiment, vraiment trop joli. Alors c'est la partie ouest qui a été construite après la première partie que l'on voit là avec un méga donjon. Ce serait mieux s'il y avait du soleil. J'ai fait une vidéo en 2014 je crois. Il y a 10 ans il y avait du soleil. Mais c'est quand même merveilleux. On imagine le chantier. Les sculpteurs qui, il y a 1000 ans, travaillaient à faire ces pierres. Et ça tient toujours. On va partir dans la région est. Bon, faut faire gaffe parce que je suis tout seul. Et c'est pas aujourd'hui avec ce temps que si je me casse la gueule, quelqu'un va me retrouver. Mais bon, on a gardé les réflexes, l'équilibre quand je faisais de la moto. Et ça me sert bien. Voilà, hop, purée, là ça grimpe, hein. Oh là ça grimpe, ça c'est un pin palmier, on se croirait dans le sud de la France, on est en Alsace. Des sacrés, des oubliettes. Et ça n'a pas dû être fini. Ils n'ont pas dû avoir le temps de finir. Les chevaliers, c'était un chevalier qui s'appelait Conrad de Landsberg.
Oh, les caillasses. Les caillasses, là, en bas. On imagine le chantier. Les maçons, ceux qui, les sculpteurs qui sculptaient les pierres. La vie, il y a 1000 ans, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre et... Je pense qu'il devait avoir quand même des. Il devait fermer quand il y avait trop de vent et de la neige et des rafales. Il devait fermer avec des volets, je pense, en bois. Oh, mais il y a un vélo là en bas. Un VTT. Qui peut bien être ce gros con qui est venu lamper en VTT aujourd'hui? Ça, ça doit être un gros connard, ça. C'est de l'autodérision. Mal parti. Les autres, c'est ce qu'ils prennent. Attention, je vais pousser le cri qui tue. Alors sur les vidéos, je me fous de la gueule des paysans alsaciens, des ploucs alsaciens qui parlent l'alsacien. Eux, je le parle aussi. Bon, alors il y a une culture alsacienne qui est superbe, c'est Roger Siffert. Tertova, tertonta, touchtin, saituva, agnetsouf, stopf, tante, moskluva, ou la trio, ou la trio. Minimum, maintenant. Smarg krumm gefaur, metzina krumm avarota, bim pom pom, mit der lauter Zynadie, au direct mit der Frau Zita, mich du fané. Voilà. Der Roche ist sehr fort. Jo. Ich habe ein Sosser, ich habe ein Sosser. Ja, ja. Ja, ist der Erton X-Kost, da! Je suis désolé, hein, la pique à ton internet, hein, c'est le cri qui tue, c'est... Je pouvais pas m'empêcher. Allez, belle grosse dalle là. Là, on pourrait faire un championnat du monde de trial. Mais c'est déjà interdit. Il y a un écolo borné qui a mis un panneau interdit au vélo. Bon, à partir de là-bas, le vélo, le mien, il est en bas. Mais. Faire monter une moto ici. S'il y a un petit con avec un Fantine 300 il y a 40 ans, j'ai vu une photo là sur Facebook, il y a un petit con il y a 40 ans, là, un petit connard, je sais pas, oui, un Durino je crois, il a posé ses tétines ici, parjure, sacrifice, c'était un Fantine 300 je crois, si jamais je le retrouve celui-là, voilà, voilà. Oh, yes! Il y a moins de brouillard que l'autre jour. Il y a un sacré rond. Le Landsberg. J'ai trouvé l'endroit. Je vais mettre la photo de l'endroit où il faut s'arrêter. Et c'est 20 minutes à pied. Là, en l'occurrence, avec le VTT, j'y étais en 10 minutes. 10 minutes parce que c'était de la descente. Remonter, ça va être une autre paire de manches. Et la météo est prévue du beau temps. Et c'est gouré, des soleils. On viendra un jour où il fera beau. Vidéo de 9 minutes 47 secondes, presque 10 minutes. On se coche, Yonix!